lumière dans cet escalier, putain, merde. Ah, voilà la porte. Ah, éteins-moi cette musique, t'es malade ou quoi, Robert? Putain! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une marche militaire allemande, tu te crois où maintenant? Non, ça me fait pas marrer, non, ça me fait pas marrer, moi. Ferme-moi les volets, là, je veux pas qu'on me voit, putain, on me voit dans la rue, là! C'est à qui ce chat? Il est à toi le chat là? Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai dit je veux te parler tout seul. Pourquoi t'es... Je ne veux pas de chat, je veux dire, je ne veux rien, je le connais pas le mec. Et bien pourquoi tu l'as fait venir? Quoi, il a toujours été là? Mais je l'ai jamais vu moi. Alors pourquoi maintenant tu me dis qu'il était là? Excusez-moi, je préfère lui parler tout seul. Hein. Donc, Je le sens pas, je veux pas de témoin. T'as retiré la batterie de ton portable? Tu sais qu'on peut nous entendre, hein? Ben oui, j'ai peur, je suis comme ça. Hein. Bah attends, quand je viens chez toi, attends, je suis sorti du métro, j'ai fait 14 km avant d'entrer dans ton immeuble. Je suis tombé sur un mec de la Licra, il distribuait des tracts, j'ai eu peur. Putain, le mec il m'a regardé. Heureusement que j'avais une photo du soldat Chalit. Ah, j'en ai glissé une petite de 14. Mais... J'étais pas fier. Hein. J'ai fait le test avec ta gardienne d'immeuble, elle aussi, elle est sur les nerfs. Une portugaise, je me suis dit, il y a de la marge. Ah non, elle est sur... Attends. Bah, elle était pas... J'ai dit, il est où l'appart de Robert? Elle était comme ça. J'ai dit, mais je te demande pas s'il y a des tâches, de quoi tu parles. J'ai l'impression que je demandais la planque de Ben Laden, elle était terrorisée, l'autre. Portugal, Portugal. J'y reste là, elle avait préparé une petite valise en carton, elle voulait se cracher, l'autre. L'ancienne chanteuse, j'ai rien compris, elle se fait raconter quoi? Oui, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Si j'ai un portrait dans mon salon de Simone Veil, t'imagines bien que c'est pas pour l'esthétique, hein. Je collabore, moi je suis pas Jean Moulin, je te le dis tout de suite. Oui, j'ai appris, Christiane nous a appelé ce matin. Ton propre fils qui demande à changer d'ADN. Non, je me marre, excuse-moi, mais attends, il s'était déjà fait changer la gueule, changer de nom, le mec il veut plus rien avoir à faire avec toi, mais... Ouais, mais Robert, putain, réveille-toi, là, oh. Tu nous emmerdes avec tes histoires de chambre à gaz, des juifs, tout ça, arrête, putain. Il est où le Robert d'il y a 20 ans qui jouait au mot croisé Force 4, hein, qui nous mettait une branlée à la belote? Tu fais chier le monde, là. Passe à autre chose, putain! J'ai envie de te mettre des claques pour te réveiller, des fois. Mais oui, mon vieux, t'es là de... Non? Écoute, Robert, ferme-la. Robert, tu parles ou je parle? Parce qu'à ce moment-là, je rentre chez moi. J'ai un pote haïtien qui pratique le vaudou. Bon, on n'y croit pas là-dedans. Il m'a dit que tu serais peut-être envoûté par l'esprit d'un ancien nazi qui serait revenu sur Terre afin de mettre au clair certaines affaires. Donc je n'interviendrai pas là-dedans. Il peut peut-être te désenvoûter. J'ai besoin de 3 poils de pubis dans une enveloppe. Écoute, Robert, si je fais ça, c'est pour Christiane et pour les gosses. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Qu'est-ce qu'il fout là, ce chat? Pourquoi il revient maintenant? Dégage! Mais je le sens pas, avec la clochette, il y a un micro, je sais pas ce qu'il y a. Non, je suis sur les nerfs, évidemment, je suis sur les nerfs. Mais la vérité... J'ai envie de te cracher à la gueule. Mais la vérité, mais on s'en fout de la vérité. Tu crois quoi de la vérité, toi? Il n'y a pas de vérité dans ce monde. C'est le mensonge, Robert. C'est le mensonge qui dirige le monde. Hein? Apprends à mentir. Hein? C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Apprends à fermer ta gueule. C'est ça les clés de la réussite. Crois-moi bien. Tiens, moi j'ai un exemple. Jean-Marie Bigard, on a commencé ensemble. Hein? Un mec, il avait tout pour réussir, il remplissait le Stade de France. Il roulait en Ferrari, il était heureux là-bas. Il s'est mis à contester les attentats du 11 septembre. Ah ben ils l'ont ruiné, en 3 mois, terminé. Je l'ai vu chez Arthur il y a 15 jours, il conteste plus rien. C'est fini. Tu dois collaborer, putain. On est juste de la main-d'œuvre. Regarde-moi. Ma femme, Nathalie, tu sais qu'elle est prof de collège. Bon, cette année, elle a accompagné les classes de 3e à Auschwitz. Pourtant, tu sais ce qu'elle en a à foutre de ces histoires-là. Bon, ben, eux, dans sa famille, ils ont collaboré quelque chose. À côté, t'es une majorette, excuse-moi de te parler. Son grand-père, Nathalie. Ah ben, attends. La légende voudrait qu'il ait rempli 500 trains, lui, tout seul. C'est les Allemands qui lui ont dit « Lève le pied, Jeannot, on peut pas suivre. » Ah non, non. Mec, il avait une mission, mais je veux dire, attends, Nathalie, elle a compris, c'est tout, elle connaît non, maman. Elle est partie là-bas, elle s'est fait prendre en photo et tout, devant les chambres à gaz, elle chialait et tout. Mais non, mais quoi, c'est comment ça marche, putain? Elle est revenue ici, elle a fait une conférence, enfin un petit exposé devant le lycée, elle a eu sa promotion, qu'est-ce que tu crois? Elle collabore, c'est tout, c'est comme ça. Mais le courage, tu crois que t'es courageux, toi? Oh!
T'es plus fort que les autres, t'es plus fort que moi. Tu veux faire un bras de fer? Tu veux. Le courage, c'est fermer sa gueule. C'est ça le courage. Regarde, t'es en train de craquer, là, je le vois, mais c'est bien. Pleure, pleure, pleure. C'est bien de chialer devant un copain, au contraire. C'est le pu qui sort, ça, ça c'est bien. Là. Tu sais, faut pas croire, moi ça n'a pas toujours été simple non plus. Il y a des trucs, j'ai eu du mal à y croire. Hein. Moi, c'est la version officielle des attentats du 11 septembre. J'ai eu du mal. Ben, au départ, je suis dans le bâtiment. Quand on te dit 14 et 14, ça fait 17. Mais bon, tu te remets en question, tu t'y mets. Tu dis, il n'y a pas de raison. Si tout le monde y croit, on va essayer. Et puis c'est tout. Moi, j'ai regardé TF1, j'ai essayé de me faire une culture. Quand je me sens partir, tu sais ce que je fais? Je me mets un petit coup de radio Shalom. Hop. Aujourd'hui, moi, je crois en tout, moi. La grippe à chair et dents. Tu sais, je me suis fait vacciner 5 fois. Le mec du centre, il voulait pas. Il était là, non, tire-toi, tu veux crever? J'ai dit non. J'ai droit à 6 vaccins, j'en veux. Mets-moi 6 litres d'encore, je t'emmerde. Et le mec, il a appelé les flics. Hein. Faut être plus malin qu'eux, Robert. Faut pas les prendre face à face. T'es là? Non, je suis là. Ah! Moi, j'ai une carte au PS, j'ai une carte à l'UMP. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? J'ai une carte au Front National et à la LCR. Quoi qu'il arrive, je suis du bon côté du manche. Robert, je m'en fous. Écoute-moi. Pour éviter de me faire glisser une quenelle, tu sais ce que je fais? Je m'en mets 2 tous les matins. Bon, là, putain, Didier, Mohamed, le mec, oh, 14h, putain, il passait pas 15h. Prends pas en otage une ambassade comme ça, les mecs. Mais ouais, mais vous fumez du shit, après, automatiquement... Allez, on y va, ferme-la, putain. Ouais, ouais, il y a des effets spéciaux. Ouais. Ah, tiens, je te mets un petit vent contraire, même. Allez, j'arrête, gourmand. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Pardon? Vous êtes la secrétaire de l'ambassadeur, madame? De son excellence. C'était toi. Excellent. Pardon? Nous sommes un groupe d'étudiants, nous désirerions nous entretenir avec l'excellence, s'il vous plaît. Je t'arrête tes conneries. Ah, non, madame, pardon? L'objet de la rencontre? Qu'est-ce qu'il raconte? Hein? Il faut un objet pour la rencontre? Un cadeau, il veut quoi? Ah ouais, non, voilà. Voilà, c'est pour le voir, vraiment comment ça se passe exactement, pour voir... Voilà, avec l'excellence, voilà. Et puis voir quand est-ce qu'il envisage de dégager, parce que là, on n'est pas content. Non, laisse, je suis chaud, là. Quoi? Non, c'est pas une blague, madame, je pense pas avoir la gueule d'Anne Roumanoff, on est d'accord? Dans le sac de sport, il y a des armes. Enlève, Stéphane, enlève la mitraillette. Et on... Non, du coup, bien joué. Quoi? C'est lui, c'est l'excellence. Tais-toi. Mais ça va, je vais pas le taper, regarde-moi. Mais je suis chaud, regarde-moi. C'est toi l'excellence, ferme-la. Maintenant, c'est moi qui parle, ok? Si je veux la pâte, je la lève là, ok? Là, je te tartine ta mère, regarde-moi. N'aie pas peur, je vais pas le taper. Je te la fais courte. Depuis que vous avez débarqué en Normandie, tu casses les couilles, l'excellence, ok? Tu vas ramasser tes chewing-gums, tu prends Sarko et tu dégages. Ah, je suis parti, là. Hein? Non, t'as raison, Bernard. Ouais, non, on va le juger. On va te faire un exemple. Tiens, Bernard, tu fais le juge, t'as des lunettes, fais le juge. Moi, je vais faire ton avocat. Mets-toi là, excellence. Mets-toi là. Va falloir plaider coupable. Hein. Ouais, parce qu'on peut peut-être éviter la peine de mort par défenestration, mais on est mal. Hein. Ta femme, elle est où? Elle est dans l'immeuble? Ben, je vais demander. J'ai une requête. Rejeté. Tu casses les couilles avec tes requêtes, hein. Attention. Ouais, mais là, t'es mal, hein. Donc ferme-la, à mon avis. Hein. On va écouter le réquisitoire, maintenant. Donc, je vais te demander au prévenu de se présenter face à moi. Vous appelez John Wayne. Vous avez... John Wayne, ouais, on va vous appeler comme ça. Hein, parce que c'est... Pardon, vous contestez la légalité de... D'accord, de ce tribunal, d'accord. Allez-y, répondez. Pardon? Oui, j'ai compris, monsieur, vous contestez, mais il y avait le téléphone. Oui, il conteste la légalité. Oui, non, mais monsieur, tout le monde conteste. Moi aussi, je te conteste ta gueule, toi. Toi, t'arrives, je suis ambassadeur, déjà, je te dis non.
ce pays, c'est pas à toi, c'est aux Indiens au départ. Ils... Géronimo, vous avez tué tout le monde, ils sont pas là. Toi, t'es un descendant de pute et de bagnard. Est-ce que t'es au courant de ton histoire? Bon, contrôlez-le un peu parce qu'il s'énerve et on va en arriver nous-mêmes. Non, doucement. Oh, elle est partie de loin, celle-là. Bon. Alors, vous êtes accusé, John Wayne, vous êtes accusé de vol en réunion, d'association de malfaiteurs, d'escroquerie en bande organisée, d'assassinat, d'actes de barbarie, de génocide. Hein, on est quand même sur des dossiers assez sérieux, là. Hein. D'attouchement sur mineurs du tiers-monde. D'accord, vous avez tout mis, en fait. Hein. Bon, vous êtes accusé de tout. Hein. Donc, je vais laisser la parole à votre avocat, Maître Renard. Merci, monsieur le président. Ben, je vais essayer, c'est pas... Ah, là, on est mal, hein. Oui, mais... C'est un dossier de merde, hein, là. Pas quoi dire, parce que là... 3-14-107... Coupable, monsieur le président, coupable. Non, parce que dans son esprit, il a une circonstance atténuante. Moi, je lui ai dit, ferme-la, ça va être pire. Mais lui, il voit, il est américain dans sa tête. Il me l'a dit plusieurs fois. Il voit la statue de la liberté. Je lui ai dit, mais me parle pas de cette merde. Ils auraient pu nous la faire comme ça. Mais on n'a rien à foutre de ta statue. L'autre, il est là, il se sent américain. Il se sent... pour lui, il est bien. Il est, il arrive en Irak. Ça va, les gars? Bon, il y a la démocratie ou pas ici? Bon, après, il tue tout le monde, il vole tout. Mais je veux dire... Peine de mort, tout à fait, monsieur le président. J'essaye, hein? Simplement que la peine de mort soit réalisée dans le cadre des conventions de Genève. Ou de Rungis, si c'est pas possible. Je voudrais que vous repartiez vraiment avec du bonheur, avec de la joie dans le cœur. Détendre un peu l'atmosphère, sortir un peu de toutes ces contraintes, ces injustices. Et aborder le thème du cancer. Mais non, parce qu'en écrivant ce spectacle, malheureusement, j'ai été confronté indirectement à cette maladie deux fois, coup sur coup, la mère de ma femme, 63 ans, et mon oncle, 77 ans, qui celui qui me faisait marrer tous les week-ends, on faisait les cons, donc un petit dédicace s'imposait. Donc l'aventure du cancer, c'est une petite... C'est une aventure, c'est une douleur qui date, qui apparaît. Ah, oh, merde. On ressent seul. Oh, putain. Les gars, hein, on voit pas ce que t'as. Alors le médecin, évidemment, une cure de vitamine C, hein, ça va aller. Hein. Ouais, la gymnastique, continuez, voilà, un verre de vin rouge. Bon. Et mais au bout de quelques mois, évidemment, c'est... Oh, putain. Là, il se passe quelque chose. Donc là, le médecin traitant, il dit, bon, à faire des analyses. Donc là, t'as mis le doigt dans l'engrenage, attention. Là, t'es monté dans le taxi pour Tobruk, on est parti. Bon, c'est pas le prélèvement en lui-même, ça c'est rapide. Mais c'est l'attente des résultats, putain. Crois-moi bien, tout part en sucette, il y a toujours un copain qui est là. C'est pas ta grand-mère qui avait eu le cancer, toi? Eh, je veux pas t'affoler, hein, mais je crois que c'est héréditaire. Hein. Tu vas chercher tes résultats, t'es comme ça. T'as une petite bonne femme, elle est derrière un petit bureau, comme ça. Puis elle a des enveloppes, elle les donne. Monsieur machin, puis à un moment, elle t'appelle. Oui, c'est moi. Ça va? Ouais. Elle s'en fout, elle est comptable, toi. C'est 22,80€, monsieur. Chèque, espèce, carte bleue, je connais pas, là, je suis pas médecin. Donc là, tu te retrouves avec tes résultats, mais si t'as pas fait chinois première langue, attention. Cosinus, sinus, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment cotangente sur l'infini, c'est écrit en grec. Hein. Bon, là, tu te dis, je vais aller voir mon médecin traitant. Alors là, mais il faut encore attendre deux jours. Donc imagine la pression, le suspense. Donc tu arrives chez lui, ah docteur, voilà. Excusez-moi, parce que là, alors. Alors l'autre, il prend tes résultats, mais l'autre, c'est un joueur de poker, attention. Ça va, hein. Et il y a marqué cancer à toutes les lignes, on est d'accord. Ça clignote en rouge, c'est le plan de Las Vegas qu'il a sous les yeux. Et l'autre, il connaît toute ta famille, il va pas te dire que tu avais crevé dans 6 mois, toi. Puis il y connaît rien dans cette maladie, il veut pas passer pour un incompétent. En même temps, il est payé 22,80€. Hein, faut qu'il lâche une info. Tout
Toujours au conditionnel. Hein. Sous réserve d'analyse complémentaire, hein, vraiment de voir, on ne sait pas. Il semblerait quand même qu'il y ait la présence d'une petite tumeur cancéreuse. Le mot est lâché. C'est-à-dire que c'est le coup de tampon sur la carte de membre. Tu es agréé. Même si tu n'as pas le cancer, tu peux le développer. Et là, le médecin, si tu veux traitant, lui, il faut que tu dégages, parce que lui, c'est pas son truc, toi. Il connaît rien, il veut pas, toi. Donc il va passer la main à un complice, le spécialiste. Spécialiste du cancer. Spécialiste de quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais le mec, tu vas le voir, tu lui dis, on ne connaît pas le cancer. Non, d'accord. Et donc vous êtes spécialiste de ça. Hein? Mais c'est un jeu de piste, à un moment donné, t'as une case à jouer, hein, t'en as pas deux. Hein, donc là, t'es obligé. Bon, ben, voilà les résultats. Alors l'autre, il prend ça. Oula, on va bronzer, là. Alors. Foutu. Bon, alors. Et l'autre, c'est toujours des blouses blanches, mais c'est Armani. Attention, le bureau de la cajou. Et là, on est là. Alors. Vous avez de la chance, il existe un traitement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé à soigner le truc, lui il est déjà dans la révolution. Et un révolutionnaire s'entend évidemment deux gouttes de citron dans la purée, ça change le goût, terminé. Lui c'est des expériences qu'ils font avec les laboratoires. Lui c'est révolutionnaire pour lui, le spécialiste ça va lui permettre de changer de bateau cette année, toi. Mais toi, non. Ah. Si en même temps tu dis j'ai quand même accès au traitement révolutionnaire. Que le chauve de 30 kilos que j'ai vu en salle d'attente. Mais bon, quelque part, qu'il aille se faire enculer. Balance la sauce révolutionnaire. Petit excès d'optimisme qui va très vite disparaître avec la première chimio. Ah, le mot est lâché, tu connais. Attention. Peau de peinture orange. L'idée c'est de te faire un tour de circuit avec cette merde. Tu dis si je me mets ça dans le sang, je vais finir en barbe à papa. C'est pas faux. Hula hoop, barbe à truc, plus un cheveu. Les sourcils dans les godasses. Merde. Ah non, attention, t'as des taches vertes, des taches jaunes qui arrivent, ça fait rire les gosses, c'est sûr, mais essaye d'aller choper un crédit avec cette gueule-là à ta banque. D'ailleurs, ton banquier, il te fait signe, vous pouvez rendre la carte bleue de chéquier ? On sent que tu vas devenir taquin. Tu perds 30 kilos si tu les as, plus la monnaie. Attention, là, faut pas compter. Toute la déco, ça part en sucette. Et t'as rendez-vous tous les 15 jours, évidemment, chez le spécialiste, hein, il t'a dit. Hein. Si vous venez pas, ça sera pareil. Mais tu remets ton costume, c'est comme si t'enfilais une couette. Hein. T'es là, si t'as un vent contraire sur le chemin, on est mal. Si t'as fait de la voile, tu peux tirer des bords, tu peux te démarrer. Sur un trottoir de 120, faut être malin. Donc là, t'arrives chez le spécialiste, tu te remets ton petit cheveu. Alors, docteur, on en est où? J'ai oublié de te dire, tout ce côté-là, c'est fini. Terminé. Il n'y a plus un boulon qui tient, c'est terminé. Au début du film, t'es en stéréo, là c'est du mono. Hein. Faut tendre l'oreille, ça grésille. Si t'as chopé deux mots dans la phrase, on est content. Hein. Alors docteur, alors on en est où? Tiens, pour le personnel. Ou alors l'autre. L'autre, il ose pas te dire que t'as bonne mine quand même. Hein. Il a pas le trac, mais il sait se tenir le mec. Hein. Mais il dit, on est dans la bonne direction. La tumeur a rétréci. Manquerait plus que ça, tout a rétréci. Mais tu sais, le mec, ils font des expériences, il a peur, il veut pas se faire choper. Hein. Quand il a une tache verte qui clignote au bout du nez, il se dit, là, on va se faire repérer, les mecs. Hein. Donc il dit, bon, on va quand même changer de protocole. Hein, on va prendre quelque chose de plus doux. Ah bon? Et t'es pas bien, le protocole? Là, il te file des trucs verts, des petites pilules. En plus, c'est un jeu de piste, le truc. Ils se foutent de ta gueule. Des jaunes, des vertes. C'est un jeu de piste. Et là, alors, attends, chérie, la verte à 14h, un quart. Mais oui, mais c'est un demi, t'as donné, là. Alors, tu prends tout ça, tu jettes ça en l'air. Même résultat, attention. Tu chopes des maladies que t'as jamais eues, crise d'épilepsie. À un moment donné, tu dis, je suis pas plus con qu'un autre, je vais regarder la notice de ce médoc. Et là, tu t'aperçois que t'as tous les effets secondaires. Crise d'épilepsie.
Chérie, viens voir. Lis, je vois plus, moi, hein. Et puis, ouais. Tremblement, ben, ça zouk ou ça zouk pas, là. Incontinence. Tu dis, c'est pas possible. Donc là, tu vas chez sa santé du corps médical, tu dis, je l'ai soufflé dans les bronches, l'autre. Hein. Bon, toujours avec cette déférence, évidemment, que tu lui dois, mais toi, tu pars en sucette. Hein. Bonjour, docteur. Excusez-moi, mais... N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais j'ai lu, incontinent, épilepsie, c'est votre médicament qui est en train de me tuer. Bon, faut pas oublier que l'autre en face, il a un couplet sport et joue au golf. Hein. C'est pas pour se faire chier toute une après-midi avec un chauve de 30 kilos qui pue la pisse. Donc quelque part, il se dit, bon, l'autre, faut que je le finisse maintenant. Non, mais dans l'intérêt de tout le monde, toi, de la société. Hein. Donc il se dit, bon, il sait très bien que toi, tu vas... Il ne te vendrait plus un chocolat. Donc il se dit, je vais convoquer la famille. Et là, la famille, les enfants, ils sont mûrs. Ça va, docteur? Merci d'avoir pris son temps. Il reste une chance. Bon, ça, il ne le fait pas, évidemment. Tout à fait, madame, il reste une chance. Cette chance s'appelle les rayons. Vous pouvez signer en bas. Alors les rayons, c'est vrai que vu de l'extérieur, il y a un côté scientifique. Tu dis, un rayon, c'est quand même précis. Il y a un côté NASA, côté Dark Vador. Tu dis, la tumeur, elle va être mal. Non. Tu vas lui bronzer le cul, c'est tout ce que tu vas faire. Mets ta tête dans un micro-ondes pendant 5 minutes, t'as fait une séance de rayon. Tu ressors de là, t'as un QI d'haricots verts dans un corps de 120 ans. Et bon, le spécialiste, quelque part, il est content, il a évité le procès, l'autre. Hein. Faites passer le chariot. Et donc là, tu vas passer aux soins palliatifs. Ah, là, on rigole plus, attention. Là, service du professeur Escobar. T'as une infirmière qui vient te voir. Je crois que maintenant, il faut... Hein? Pardon, madame? Non, j'ai dit, je crois qu'il faut l'accompagner maintenant. Il faut... Bah, où ça, je le vois pas partir nulle part, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Je peux voir le médecin, parce que ça m'étonne. Là, c'est normalement le service qui pour éviter de souffrir. Donc, on te balance des drogues. Même les drogués, ils veulent pas y aller, là-bas. Soins palliatifs, t'es fou, toi. Je sais me tenir. Vas-y, balance-moi un verre de mort orale. Ben, le cocktail d'arrivée aux soins palliatifs, tu décolles. Hein. T'as pas la tranche d'ananas, t'as pas l'ombrelle, mais on y est. C'est de l'intraveineuse, morphine, eau de javel. Attention, les amis. Toi, bon, toi, de toute façon, il n'y a plus aucun contact. Bah non, toi, t'as fermé les rideaux, t'as cloué les volets. À vendre, hein, le truc, c'est fini. Hein. L'infirmière, t'es... Si, allez-y, parlez-lui, il vous entend. Ah bon? Hey, Houston, à la base, vous êtes tous les mecs, là. Ah, le seul contact, c'est le petit bip-bip, tu sais, du moteur. Bip-bip, bip-bip. Ah bon, c'est lui, ça? Ah d'accord. Il est passé par le tuyau, comment ça marche? Mais il se fait chier, bon dire, il va avoir le crâne, non? Et un matin, bip bip, bon bah il s'est fait bouffer par le coyote. Et c'est pas fini. Il y a encore un petit billet à faire. Oui madame, on peut vous renseigner madame? Si vous, je vous en prie. Oui, vous cherchez un cercueil, bien sûr madame. Hein? Ici on fait pas de machine à laver. Non mais c'est bien de détendre un peu l'atmosphère. C'est votre papa, c'est la maman, c'est le papa, c'est le papa, bien sûr. Là. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, madame, tout à fait. Ça, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Le cercueil à l'entrée, 700 euros, il est pas mal. Oh, il est pas mal. Non, madame, vous voulez mon avis? Non, non, laissez tomber. Cela, on est juste au-dessus du sac poubelle. Je préfère être honnête avec vous, madame. C'est des cercueils qui sont prévus pour les SDF, madame. C'est pris en charge par les mairies. Hein, donc. Mais on peut ouvrir on peut remplir un dossier SDF pour votre papa, si vous voulez. Hein? Ah, voilà, je crois que ça serait pas raisonnable. Donc on va... Voilà, là, on est sur des modèles beaucoup plus intéressants. Là, vous soulevez le cercueil, au moins, hein, le fond reste. Donc on est... Voilà, les bois sont beaucoup plus jolis, on est sur des modèles... voilà, la cajou... Non, la cagette, toujours, madame, c'est... Des bois de récupération, faut penser à la planète, madame. Hein. Donc voilà, autrement, ah, voilà, le modèle, je vois que vous avez là, allez-y, regardez, madame. Là, c'est sûr. 15 000 euros payables en 100 fois, hein, je préfère le dire, voilà. Il y a toujours moyen de s'arranger, il y a peut-être des espèces, des choses. Bon. Et donc, voilà, tout à fait, plus large. Vous savez, madame, c'est ce que je dis toujours. Quand il y a de la route, c'est bien d'avoir un peu d'espace aux genoux. Hein. On est quand même... Le petit sac, le kit de survie, madame, le kit de survie, hein, qu'on met dans les modèles prestigieux comme ça. Hein.
Une lampe torche, vous savez, une pelle, une boussole. Un sur deux se réveille, il faut quand même s'en souvenir. Allez, salut tonton. Ce soir, donc, c'est émission spéciale Jésus. Allez, on y va. Allez, Nathalie, mets-moi un petit coup de peigne sur ce qui reste. On va commencer cette émission de merde. Ça se voit, la coke, ou pas, là? Hein? Va lâcher 3 kilos, ferme ta gueule. Allez, on y va, on commence l'émission, là. Vous êtes de la merde. On y va, tenez-vous. C'est moi qui donne le top, hein. Allez, j'y vais, top. Tu arrêtes le jingle, top. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée Vérité historique. Ce soir, émission spéciale à Jésus. Ah, alors, Jésus, personnage incontournable de notre civilisation, prophète pour les uns, minable gourou homosexuel. Jésus ne laisse personne indifférent. Pour en parler ce soir, d'éminents spécialistes ont accepté de venir sur ce plateau. Monseigneur Mfoudi, hein, archevêque de Yaoundé, qui a accepté de faire le déplacement pour nous parler de Jésus, bien sûr, Jésus en Afrique. Mustapha Biribi, imam de Gif-sur-Yvette, hein, qui va nous parler de Jésus dans l'islam. Monsieur Bernheim, ai-je besoin de le présenter, hein, grand rabbin du FMI, merci à vous, merci à sa sainteté d'avoir fait le déplacement. Nous aurons le père Bernardin de Bruxelles, auteur de « Les ennemis de notre Seigneur », hein, un ouvrage qui a fait polémique en Belgique. Vous allez nous en parler. Evelyne Lachatte, habituée des plateaux de France Télévisions, hein, donc présidente des mouvements gays et lesbiens de Bourg-la-Reine, qui a tenu aussi à venir nous donner voilà, son point de vue. Et j'allais l'oublier, monsieur Tremblay, de la revue Tabernacle, hein, ami du Québec. Je ne suis pas... Alors, pardon, hostile. Voilà, coupe le micro, voilà. Très bien. Alors, un débat qui s'annonce, vous l'avez compris, extrêmement vivant. Je vous propose, pour commencer cette émission, un micro-trottoir réalisé cette semaine dans les rues de la capitale. Que pensent les Français de Jésus aujourd'hui? C'est un sujet signé Benjamin Hanouna et Jonathan Zitoun. Tiens, Délé, remets-moi un petit coup, vite fait, je me sauve après. Vite fait, là, petit jaune, là, tac, petite tournée générale. Enfin, petit général, toi et moi, hein, toi tu dégages. Quoi? Ah, il y a les journalistes, hein, d'accord. Il vient de filmer dans ton bistrot, ben non, là, préviens-moi, hein, moi je veux pas te filmer. Ah non, je peux pas les blairer, moi. Les journalistes, pour moi, c'est de la merde. Ouais, France Télévisions, en plus de ça, quoi. Non, je vais pas les taper, hein. Mais je vais peut-être les taper, t'as raison. Bah, Stéphane, bloque la porte. Non, t'inquiète pas, ça va. Regarde ça, le mec, il a quel âge? 25 ans? Tu connais quoi à la vie pour me raconter? Mais ferme ta gueule, je te... Regarde, il a peur, ce connard. Vas-y, pisse-toi dessus, hein. Pour moi, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu viens me raconter? Vas-y, n'aie pas peur. Bah, pas... Jésus, le mec, Jésus, putain. Parle-moi du SMIC horaire. Parle-moi des... Ouais, mais Jésus, déjà, faut une bagnole pour aller à l'église. Faut une... Non, attends, il y a l'essence, y a les radars. Ça, c'est un sujet, Bernard, les radars. Non, ça, c'est un bon sujet. Ouais, ben, toi, tu poses tes questions. Moi, je te dis, c'est les radars. On va parler des radars. Bloque la porte, Stéphane. Ça sera une émission sur les radars. Alors, moi, je suis un village, 135 habitants. 5 radars, c'est normal. Ils en ont foutu un dans mon impasse, je suis tout seul. C'est même pas goudronné. Je sors du garage, merde, un radar, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis alors, limité 10 km/h. Attention, les copains. Même les vélos, t'es marron. Ah, les gosses, j'ai dit, c'est fini. J'ai crevé les pneus, j'ai scié les cadres, j'ai foutu ça à la benne. Tais-toi, t'es un con, ferme-la, écoute-moi. La semaine dernière, j'ai mon cabot, il s'est fait flasher 5 fois. Et puis t'es responsable en tant que propriétaire. Le gendarme, il est passé à la maison, il a dit, mais je lui ai dit, mais vous êtes des radiateurs. Il m'a dit, oui, c'est notre métier. Et il m'a montré la photo, qu'est-ce que j'ai? Je veux dire, 26 km/h. Puis j'ai pas pu nier, je veux dire, Chouquette, elle était dans mes pattes. Hein, bon. Ouais, ça se remarque, hein, c'est un bichon maltais croisé fenêtre. Mais il y a tout là-dedans, il y a du cochon, il y a de l'autruche, donc c'est des bestiaux fabriqués en laboratoire. Ça vit un an, mais ça fait peur. Et il a un bec, le cabot. Hein. Et donc,
Puis moi, j'ai des manouches au fond du jardin, moi, donc je suis plus tranquille. Et non, mais attends, et puis alors, sur la photo... Non, mais attends, moi, j'étais, je lui ai dit, mais comment ça... Sur la photo, vous voyez bien, le chien, il suit un chat. Et le chat, vous faites comment, alors? J'ai pas démonté, il m'a dit, ben, donnez-moi l'adresse du propriétaire. J'ai dit, c'est le chat des manouches, je le reconnais. Et là, il a dit non, là, non. Là, c'est à l'OTAN d'intervenir. Nous, on est toujours. Les campements manouches, les gendarmes, ils y foutent pas les pieds. Ils envoient des drones, ils chient par au-dessus, mais je veux dire, pas d'opération terrestre, ils ont peur. Ils sont... Non, non, mais moi, je les avais là, je te jure. Ah non, 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 90 euros, j'ai fait le chèque, même si on les deux à bosser. Hein. Et je vais te dire, non, tais-toi, tais-toi. Le soir même, je lui ai scié la patte à mon cabot. Ma femme a dit, arrête. J'ai dit, je te fais pareil, dégage. Et là, je l'ai chronométré 5 km/h. Allez, va jouer avec les escargots, t'es un bon, toi. Et là, tais-toi, t'es une merde, écoute-moi. Déjà, tu poses mal tes questions, parce que t'es jeune et t'es con. Et en plus, t'es journaliste, donc tu t'en sortiras jamais. Écoute-moi. Déjà, Jésus, au départ, c'est un syndicaliste, au départ. Ah, oui, les gars, parce que tu ne sais pas, parce que t'es de la merde. Au départ, à l'époque de la Mésopotamie, enfin, ce que tu veux, de Jésus, le SMIC horaire, c'était combien? Faux, nul, zéro. Non, le SMIC horaire, à l'époque de Jésus, c'était une feuille de salade et un pois chiche. Alors là, Jésus, il a dit non. Une famille de 14 ne peut pas vivre sur un pois chiche. Hein, y a quand même un raisonnement. Donc, ils se sont rassemblés avec ses potes, hein, les apôtres, voilà, mais c'est les potes. C'est le latin. Potes, patatos, patate. Bon. Ouais, mais si tu me coupes, je ne vais pas arriver à finir. Donc, et donc, il a dit, Jésus, bon, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer du pain. Première tournée, gratoche. Après, on voit comment ça se passe. Et là, le patronat a dit, non, non, non. Chopez-moi le leader, clouez-moi ça à un poteau à l'entrée de la ville. Affaire réglée. Donc, bonjour. Ben, je m'appelle Théo, voilà, donc j'ai 18 ans. Hein, donc là, je termine une formation donc, en alternance, hein, donc philosophie coiffure. Hein, Jésus, ouais, Jésus me concerne, oui, dans la mesure où... pour moi, bon, Jésus et les apôtres, c'est avant tout un groupe d'individus qui décident de se rassembler afin de fuir le système d'oppression dans lequel ils se trouvent. Donc déjà, et d'une. Donc déjà, c'est ce qu'on essaye de développer, comme idée donc au sein de notre groupe de musique, hein, groupe Hasard, le nom du groupe alternatif. Hein, donc nous fabriquons nous-mêmes nos instruments. À base de produits laitiers, à base de coquilles d'œufs. Donc, disons, nous avons décidé de suivre le hasard plutôt que de suivre Dieu. Voilà un peu le délire. Voilà, là, on prépare un grand tour du monde en sky scoot, donc scooter tracté par le vent. Donc, hein, on est vraiment dans la biodiversion. Et... disons qu'on s'inspire beaucoup de la pensée du Bodhisattva Shrestha. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, Jean-Louis de son prénom. Pensée qui mêle à la fois hindouisme, charlatanisme et athlétisme. Hein, automatiquement. Pour expliquer, alors comment expliquer, nous partons de rien. Porté par le vent du hasard, vers un absolu qui n'a pas d'importance, en fait. Tiens. C'est-à-dire, j'essaie. Nous naissons, donc naissance, Big Bang, naissance. Naissance, donc, d'une énergie. Énergie. Que fait l'énergie? Une énergie ne va pas... j'attends de voir. Non. Elle va, en tant qu'énergie, je vais, et vers, après,
Merde, il n'y a rien à la fin. Ce que je dis n'a aucun sens, en fait. Peter, come on, let's find out. Why don't I go to my voice? Why don't I go to mother in my... Sorry. Oh, she's American. Sorry, I don't know. Oh, je peux répondre les questions, mais... Oh. Jesus, oh, I like him so much. Oh. Je vu 5 fois le film Jésus contre Alien. Oh, Jesus Christ, sorry, my God, okay. Nazareth, oh, my God, sorry. Okay, so la croix, okay. Très beau fitness. Je crois que c'est très important, la parole de la Jésus, de le monde actuel, hein, de l'amour, of course. Hein. Tous les années, je fais le voyage dans le pays de la misère. En France, Greece. Éthiopie, oh my God, in Africa, oh. Les enfants, le ventre gonflé. Chez nous aussi, on a le ventre gonflé. C'est le McDonald's, you know. J'ai toujours le souvenir de le petit Africain dans le désert. Je prends la photo, oh. Les petites pattes de sauterelle. Les joues creusées, les yeux, oh my God, c'est la maison de la mouche. aux États-Unis, à United States, je fais l'association pour aider les petits Africains. Yes. Nous faisons les chansons. No misère, no, no, no. No balloon, no, no, no. Non, mouche. Oh, en France, vous avez la nourriture, mais vous n'avez pas l'argent pour laver vous. Oh. Le matin, je suis dans le métro, you know. Je vois les jeunes filles, les jolies. Oh, elles puent, God. Je donne 10 euros. Je dis, va laver le corps. Aux États-Unis, nous avons beaucoup d'argent. Yes, nous pouvons laver nous, la voiture, la route. On lave l'eau, you know, but nous sommes un pays riche parce que nous sommes le pays de la démocratie, liberté, au nom de le Jésus-Christ. Pour moi, Jésus est le premier Américain. Non, le restaurant il est fermé. Là. S'il vous plaît, non, on n'a pas filmé à la caméra. S'il vous plaît. Hein. Ah, je croyais les services hygiène. Non, pas problème, pas problème. Vous voulez manger quelque chose hein? Oh, moi, je peux répondre à la question. Jésus? Attends, Jésus. Lui, venir manger le restaurant. Religion de la Jésus. Si, je connais. Jésus, c'est quelqu'un, les ontis. Si les gens n'ont pas le manger, Jésus dit, pas le manger de moi. Mange le chien, le poulet. Il est comme Bouddha, mais plus fin. C'est le Bouddha blanc. Jésus serait le Bouddha blanc, s'il vous plaît. Merci, monsieur Nem, pour cette pétillante conclusion. Plus sérieusement... Retour sur le plateau de vérité historique, vérité à tout jamais, vérité pour l'univers
Jésus, vous l'avez vu, évidemment, tout le monde en parle, tout le monde se l'approprie. Mais qui est le dépositaire légal aujourd'hui de la pensée du Christ? C'est un peu la question que j'ai envie de poser à mes invités. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Monseigneur Mfoudi, hein, qui nous venait donc directement de la forêt équatoriale. Non, mais je peux répondre. Je peux répondre. J'ai dit que... Hein, Jésus est arrivé au Cameroun dans les années 1850. C'était au mois de juillet. C'était au mois de juillet. Avant, on ne connaissait pas Jésus. Non, on ne connaissait pas. Jésus est arrivé avec les Blancs. Comme ça. Dans la terreur absolue. Mais quand les Blancs sont arrivés sur les côtes africaines avec les fusils, on ne connaissait pas. Non, c'était la fête foraine. C'était le tir au pigeon. C'était des terroristes. Vos affaires de Ben Laden aujourd'hui, non, mais ça c'est les petits machins pour les enfants. Hitler, un joyeux fanfaron. Quand les Blancs sont arrivés sur les côtes africaines, j'ai dit que c'était le massacre. En ce temps-là, le mot extermination n'avait pas seulement une dimension commerciale. Et là, je ne vise personne en particulier. Non. Je dis qu'on pensait qu'on allait mourir. On pensait qu'il y a bientôt, il n'y avait plus l'Africain. On allait se cacher dans la forêt. Sont arrivés deuxième vague, les missionnaires, les gens de Jésus. Eux n'avaient pas de fusil, ils étaient gentils. Ils disaient, ouh, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ils disaient, non, mais j'ai peur. Qu'est-ce que tu racontes, n'aie pas peur? Ils sont en train de me tuer comme ça, toi tu dis, n'aie pas peur. Il dit, non, mais moi, je suis gentil, je suis les gens de Jésus. Il s'approchait comme ça, il voulait toujours comme ça nous caresser la tête. Il disait, oh, tu es tout doux, on dirait un mouton. Je ne suis pas un mouton, je me fous, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que moi, je dis, toi, tu es un cochon? Non. Tu ressembles, mais je te respecte. Mais c'est grave. Pourquoi vous venez en Afrique, vous tuez les gens comme ça? Il dit, non, mais toi, à genoux, dis pardon, Jésus. Qu'est-ce que j'ai fait à Jésus? Il dit, non, mais toi, à genoux. Après, on ne va pas te tirer dessus. Non, on a essayé, mais ça a fonctionné. Jésus est devenu le joker. C'est-à-dire, quand le blanc arrive avec le fusil, tu te mets à genoux, tu dis, pardon, Jésus. Oh. Le gars quitte comme ça. Tous les Africains, on disait pardon Jésus. Mais tu vois, j'ai dit que non, la parole de Jésus, c'était bien. Mais quand le bien arrive quelque part, le mal est toujours caché derrière. C'est-à-dire, avec les Blancs sont arrivés les problèmes. L'argent. La première religion dans le monde, mais au Cameroun, non, c'est l'argent. Faites-vous arrêter par un policier camerounais. Qui klaxonne comme ça? Arrêtez le véhicule. Mais c'est quoi? Vous arrivez, vous provoquez un dérangement excessif. On ne klaxonne pas comme ça en agglomération. Vous dites, je n'ai pas klaxonné, j'ai entendu les klaxons, ne dites pas n'importe quoi. Non, ça c'est les petits klaxons moto-taxi de mon cousin. Je laisse. Mais le gros klaxon des 4x4 Toyota VX, intérieur cuir, non. Arrêtez le moteur. Vous arrivez, monsieur, mais comment? Vous êtes au Cameroun, vous êtes dans un état de droit. On ne fait pas n'importe quoi. Ouais.
Mais non, mais c'est grave. Nuisance sonore aggravée à une heure de grande écoute. Je ne peux pas. Je dois mener une enquête. Je ne peux pas. Une grand-mère peut-être. C'est quoi ça? Non, non, non. Cachez les billets. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Non. Ça, c'est la corruption. Non, non, non. Qu'est-ce que 1000 francs CFA, mais comment? Est-ce que je suis un clochard là qui mendie la bière? Je suis brigadier chef, c'est beaucoup. C'est l'équivalent de préfet, chirurgien dentiste. Non. Rajoute seulement l'argent. Discrètement, discrètement. La caisse de bière, descend ça de la voiture. On ne conduit pas avec la bière dans la voiture, non? Quitte maintenant. Mais je suis pas content, hein? Merci. Merci. Merci, monsieur Mfoudi, pour cette description, hein, malheureusement si réaliste, hein, de la corruption en Afrique. Corruption qui ne concerne pas d'ailleurs que le continent africain. Hein, on l'a vu d'ailleurs très récemment avec la condamnation de monsieur Chirac, qui s'est bien servi aussi d'ailleurs. Revenons quand même sur le sujet, hein, Jésus. Moustapha Biribi, la place de Jésus, hein, dans l'islam d'aujourd'hui. Jésus. C'est le prophète de l'islam. Il est prophète de l'islam. Jésus islam. C'est islam, Jésus islam. C'est l'islam. Sa mère, Sainte Marie, sa mère, c'est l'islam. Voilà l'islamique, c'est l'islam. Un jour, tais-toi, un jour, Dieu, il va dire tous les croyants, chrétiens, musulmans, arrête de faire l'esclave devant le fils de Satan, Dominique Strauss-Kahn. Écoute-moi, n'aie pas peur, laisse-moi parler, écoute-moi. Après, je vais partir, écoute-moi. Strauss-Kahn, c'est l'envoyé du diable. Écoute-moi, n'aie pas peur, écoute-moi. Bientôt, il va retourner dans son terrier à Rad d'Israël. Écoute-moi. Il va retourner en Israël. Il va appeler tous les fils de Satan. Venez les fils de Satan, va danser, va violer les gens. Écoute-moi. Quand tous ces fils de Satan, ils vont être rassemblés là-bas. Dieu, il va se retourner vers tous les croyants comme ça. Il va dire... Allez-y, j'ai rien vu. Ce jour-là, voilà sa mère, tu vas comprendre. Hitler, c'était un gentil garçon, tu vas voir. C'était pas l'islam, attention. Mais ça partait d'un bon sentiment. C'est-à-dire, quand tu es face à Satan, sa mère, il n'y a pas d'histoire de traité. Le couteau, la gorge, il n'y a pas de... C'est fait exprès. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer. Le micro lui-même n'a pas... Et là, on fait signe en régie. Voilà, on enchaîne. Très bien. Monsieur Bernheim, je crois que vous voulez répondre à Monsieur Biribi. Je crois qu'il est important de répondre à ces propos de haine, d'une haine extrême. Hein? Non, Monsieur Biribi. Avez-vous seulement des papiers, d'ailleurs? Vous savez, non, monsieur... S'il vous plaît, monsieur, un peu de respect. Et ami personnel de Dominique Strauss-Kahn, ne vous en déplaise, monsieur. Laissez, hein, aux lois de cette République, à cette justice républicaine, le soin de se prononcer. Ça n'est pas un islamiste, hein, hystérique comme vous, de nous dire ce qui est juste, monsieur. Mais écoutez, monsieur, allez caillasser vos femmes et venez me parler de droits de l'homme. Ah, oh, mais ça suffit maintenant! Les droits de l'homme juif et des autres, écoutez, ce que vous dites n'a aucun sens, voilà. Si on pouvait couper le micro de cette personne, hein, et même envoyer l'armée. Alors, écoute, non. Alors, voilà, Jésus, c'est le sujet, recentrons un petit peu le débat. Alors, vous le savez certainement, dans la religion juive, Jésus n'est pas considéré comme un prophète. C'est un juif comme les autres. D'ailleurs, dans notre esprit, Jésus est une affaire interne à notre communauté. Jésus ne vous regarde pas, quelque part. Nous avons Jésus comme vous avez Jean-Marie Bigard ou Carlos. C'est-à-dire, un amuseur, un homme de divertissement, de talent. Mais voilà, il serait d'ailleurs quoi d'autre? Quoi? Fils de Dieu? Ah, oh d'accord. Donc Dieu a des enfants, Dieu en camping, Dieu à la plage. Alors on va essayer d'être un peu sérieux.
Jésus s'est laissé embarquer dans une histoire, hein, le succès, des copains, l'alcool, voilà, jusqu'à se faire crucifier. Là, voilà l'histoire de Jésus. Et là encore, les Juifs n'ont rien à voir dans cette affaire de crucifixion. Rumeur antisémite abjecte, colportée toujours par les mêmes, hein, les Mel Gibson, les Dieudonné, j'en passe. Mais les Juifs n'ont rien pu faire, monsieur. Les Juifs étaient là, comme tout le monde. Hein. Il est là, il est caché derrière. Bon, voilà. Non. Alors, oui, dans les textes religieux juifs, il est précisé, vous avez raison de le dire, que le sort de Jésus est scellé, hein, dans le Talmud, pour ne pas le nommer. Alors, le sort de Jésus est scellé, il est de bouillir pour une éternité dans une marmite d'excréments. Oui, 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 mais ça ne veut pas dire que les Juifs ne respectent pas Jésus. Au contraire, ça veut dire Jésus revient dans ta famille, hein, plutôt que de vivre dans le monde de l'excrément. D'ailleurs, taisez-vous, ce que vous dites n'a pas de sens. Vous savez, d'ailleurs, le pape lui-même l'a reconnu en se rendant à Jérusalem il y a peu de temps. Hein, il rampait sur le sol, le pauvre là-bas, il demandait pardon à qui voulait l'entendre. On lui a pissé dessus, pourquoi ? Pour cette collaboration abjecte, monsieur, de l'Église catholique avec le régime nazi. D'accord ? Et là, je vais demander une minute de silence. Ah, on va dire que c'est bon. Vous savez, non, attention. Attention. Non, monsieur, c'est très grave. Bien sûr que le rôle de Jésus est central. Sans Jésus, pas d'église, pas de collaboration, pas même de nazisme. Jésus, vous voulez le fond de ma pensée, monsieur, un peu de respect. Jésus aurait dû être jugé à Nuremberg aux côtés d'Hitler. Voilà ce que je pense. Et non, c'est très grave ce que vous dites. Attendez. Et d'ailleurs, je soutiens d'ailleurs cette initiative de M. Klarsfeld, hein, président d'honneur de cette très noble association des beaux-frères et des belles-sœurs de déportés. Hein, et de leur chat, d'ailleurs, on oublie toujours de le préciser. Qui veut poursuivre Jésus, oui, 2000 ans plus tard, hein, et demander des réparations à hauteur d'un préjudice, malheureusement, qui ne se compte pas. Tout à fait. Et là, je vous apprends peut-être, M. Bernal, mais la chaîne sera partenaire de cette opération. Hein, donc, Jésus, rends-nous notre argent. Voilà. En partenariat, voilà, avec le ministère de la Culture, du Transport, Interflora, tout le monde. Alors, peut-être vous voulez intervenir, le père Bernardin, qui a l'air un peu en colère. Je suis pas en colère, je suis scandalisé. Parce que je viens d'entendre parler ainsi de notre Seigneur et Christ le Roi, mort en croix des hommes pécheurs. Avec tout le respect que je dois à M. Birkenheim, hein, lui et sa joyeuse confrérie d'ailleurs, je suis scandalisé. Et je trouve cela particulièrement injuste. Notre Seigneur a toujours pardonné, jusque sur la croix. Pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y aura cette marmite d'excréments comme ça pour l'éternité, en guise de remerciement. Mais là encore, notre Seigneur va pardonner. Je te pardonne, Bernheim. Hein? Suis-moi sur le chemin de l'amour éternel. Hein? Suis-moi sur le chemin de la vérité. Hein? Mais là, vous ne pouvez pas, bien sûr. Hein? C'est contraire à votre religion. Hein? Plutôt choper la syphilis que de te suivre dans ton trou à rats. J'ai simplement lu le Talmud. Ton royaume des cieux n'est qu'un camp de manouches pour les chiens de la casse de ton genre. Ne me menacez pas, monsieur Bernheim. Ne me menacez pas. Hein, vous êtes peut-être producteur de cette émission, hein, vous, votre cousin. Donc on va... Mais là encore, notre Seigneur va pardonner, malgré ce flot d'insultes ininterrompues. Vous voyez, il va pardonner. Je te pardonne, Bernheim. Car les insultes que tu m'adresses, en réalité, tu les adresses à ta mère. Hein? Donc, la fin est de moi, je vous l'accorde. Hein? Je vais conclure. En m'adressant à M. Biribi, que je ne connaissais pas, et qui m'a fait grande impression, M. Biribi, hein, il me donne envie d'aller à la mosquée, vraiment, et de vous inviter dans l'église, voilà. Hein. Non, je crois que vous avez résumé, notre destin commun est là, chrétien, musulman, main dans la main, hein, dans ce grand combat final contre Satan. Bon, là, on va essayer de détendre un peu l'atmosphère. On va peut-être essayer de détendre l'atmosphère en passant la parole à notre ami peut-être du Québec. Ah ben, je sais pas si je vais détendre l'atmosphère. Moi, mes oreilles sont pas capables
d'entendre les hosties de choristes de Tabarouette. Des pleurnicheries de monsieur le curé, ben voyons donc, monsieur le curé. Saint Christophe en slip m'en soit témoin. Vous nous en avez fait bouffer de la marde. Tous les Québécois vous le diront, je ne connais pas, pas tout de même dans le grain, non, la BTB là-haut. À qui vous avez pas fait bouffer du chapelet au forceps? Hostie de corisse de Sainte-Thérèse en string. C'est vous les crucificateurs de Christ, c'est pas le peuple québécois. Nous, on a porté son hostie de croix en Allemagne. Vous nous avez confisqué notre éducation, les catholiques. Pour moi, toutes les religions, là, les juifs, les chrétiens, les musulmans, c'est la même gang. Jésus, il n'avait pas de religion. C'était un hanté. C'était le prophète des hantés. Conclusion comme une autre. Merci en tout cas pour votre participation. Rendez-vous la semaine... Alors, Evelyne Lachat, j'allais oublier, mais vraiment une minute, Evelyne. Hein. Je vous remercie. Alors, pour ma part, je voudrais dire que je suis plutôt d'accord hein, avec les arguments avancés par notre ami du Québec. Hein. Hein, même si on ne comprend pas toujours tout. non, monsieur le curé, Jésus ne vous appartient pas. Non. Il appartient naturellement à la communauté gay et lesbienne du monde. Enfin, Jésus et les 12 apôtres. Vous ne vous êtes jamais posé la question. 12 superbes jeunes hommes dans la force de l'âge, sous des tentes pendant des années. Écoutez. Jésus était homosexuel et sa crucifixion est avant tout celle d'un PD, monsieur. Aimez-vous les uns les autres, ça vous dit rien? Ça veut dire assume-toi. Je suis différent, oui, et alors? Je t'emmerde. J'ai un scoop à vous dire, il y aura un char Jésus à la Gay Pride. Avec 12 superbes apôtres, le corps huilé en string. Merci Bertrand Delanoë. On a quand même eu Anders Breivik, le Norvégien. Mais si, le mec qui a buté 80 adolescents sur une île, avec seulement 10 chargeurs. Le gars, il a loupé une balle. Le sans faute. Ah ouais. Ah oui, il est arrivé, le gars méthodique, une horloge suisse. Il est arrivé. Ouais. Il a nettoyé dans les coins, un truc incroyable. Puis avec un petit côté taquin en plus de ça, le gars, il était habillé en flic. Ah ouais ? Alors de temps en temps, il faisait une pause. C'est bon, il est parti, vous pouvez sortir. Ah, normalement, c'est une perf qui joue le podium, mais... Non, mais je suis obligé de lui mettre zéro. Sur l'artistique, je lui mets zéro, t'es une merde. Il a fait ça au nom d'une idéologie de la race norvégienne de mes couilles, tu m'emmerdes. Serial killer avec une idéologie, c'est un joueur de foot avec des pompes de ski. Qu'est-ce qui nous intéresse chez le serial killer? Tais-toi. Quoi? C'est son côté surprenant. T'es face à lui, je veux dire, le mec, tu sens, il est planté dans le sable. Moi, Jean-Louis, j'en ai marre. On me prend pour un con depuis que j'ai 14 ans. J'ai perdu ma mère. Pouf. Tu es tous vous massacrés. Ah! Toi, t'es en face. Oh! Viens voir, il va se passer un truc. Hein. Ça, c'est clair. Ah ouais, d'accord, tu sens que... Tenez, on va rendre visite à Anders Breivik dans sa cellule. On va dire qu'elle est là, dans l'angle. C'est ça la magie du théâtre. Ici, l'imaginaire est roi, on fait ce qu'on veut. Bon, vous me direz, dans l'histoire officielle, l'imaginaire aussi est roi. C'est encore une autre histoire. Bon. Voilà, donc on est à Oslo, dans la cellule d'Anders Breivik. Un endroit particulièrement austère. Ah ! Qui va là ? Oh, il est là, Anders. Salut. Qu'est-ce qu'il fout là? Alors, t'as fait le con? Tu regrettes ou pas?
hein, tuer tous ces gens comme ça. Alors, n'aie pas peur, je ne suis pas venu pour la prière. Il faut lui préciser parce qu'il est islamophobe au dernier degré. Il l'a dit lors de son procès, tout ce qui est basané avec une bobarde, il peut pas. Ah non, non, il griffe les murs, il appelle sa mère. Maman, du lait, il peut pas. Il est franc-maçon, ami d'Israël. Toi, ça te, si, si, il est franc-maçon, il a sa petite photo de franc-maçon sur son Facebook. Ah, t'es franc-maçon, alors? Ça va, franc-maçon? Comment on dit bonjour? Vous avez un truc avec les pattes, les francs? Hein? Tiens, dans le cul. Et alors, qu'est-ce qui se passe, franc-maçon? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était pas le projet du grand architecte, j'imagine, de se retrouver ici, là, avec des gens autour de toi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, la vache! Il bouffe ses excréments. Arrête ça! Et un autre qui s'introduit des objets dans les fesses. Bon, Anders, trop en avance sur, sur votre époque, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes un incompris, dubiste, comment on dit en norvégien, dubiste ou pas dubiste? Ich bin unter Deutschlands Mutters. Par Odin, je le jure. Je ne suis pas fou. Je suis un chevalier nordique. De plus, je suis franc-maçon, descendant de Templiers. La Norvège est mon sang. La Norvège est ma race. Nous devons préserver notre espèce. Regardez mes beaux cheveux blonds. Regardez ce nez aquilin et ses yeux bleus. Bientôt, si nous n'y prenons garde, nos enfants auront le pelage laineux, comme les métèques islamistes. Leur nez ressemblera à celui d'un dromadaire. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites dans ma cellule? Qui êtes-vous? Au secours! Au secours! Un singe musulman est entré dans ma chambre! Non, pourtant j'ai fait l'armée, moi. Ouais, bien sûr. Bah, c'était obligatoire, à mon époque, c'était obligatoire. Enfin, j'ai fait l'armée, j'ai fait 3 semaines. Et ils m'ont dégagé. Pourtant, j'étais motivé. Je n'ai jamais compris pourquoi ça. Trop motivé, je pense. Non, non, sincèrement, il n'y a que moi qui répondais aux questions. Bon, je peux répondre, je peux répondre. Monsieur, monsieur, monsieur. Attends, attends. Capitaine, voilà. Capitaine, laisse-moi. Donc, mon capitaine. Alors, en tant que soldat, comment dire, de sa majesté, hein, bon, à l'époque, j'avais pas tout le vocabulaire que j'ai maintenant. Je tournais sur 5 mots, à peu près. Ah, oh, tu te démerdes, t'arrives à trouver du boulot. Et alors? Alors, notre mission, voilà, notre mission est, comment dire, de nous défendre. Nous, nous, nous. Eh ben, nous, Abdel Wahab, voilà la France, pour éviter que tous les bâtards, ils viennent ici pour manger le couscous des Français. Le... Non mais monsieur, nous on veut pas parler avec toi, c'est ça toi tu comprends pas. Nous on est venus, c'est pour le maniement des armes, c'est ça qui nous intéresse. Parce que nous en banlieue, on n'a pas accès aux armes. Il y a une discrimination. Moi je vois, j'ai été à la préfecture de Nanterre. J'ai dit, vas-y madame, donne-moi mon permis de chasse. Enculé de ta mère, ça fait 2 mois, j'ai demandé. Elle me dit, non jeune homme, il faut patienter, je sais pas quoi. J'ai dit, mais patiente ta mère, salope. Je veux chasser, c'est mon plaisir à moi. Je veux chasser du chat, je veux... Elle m'a dit, non, on n'a pas encore introduit de gibier dans ta cité, calme-toi. Nous, on veut... Écoute, capitaine, nous, on veut pas te parler. Nous, on veut, si on est dans l'armée, pourquoi? C'est pour être armé, déjà. Si tu veux parler, tu vas au Parlement où tu veux. Moi. Donnez-nous des FAMAS, là, qu'on voit dans les gares, là, les jeunes. Ils s'en... Nous, on veut se servir de ça. On veut s'entraîner avec ça. Voilà, des lance-roquettes. Arrête, Abdel, des lance-roquettes. Non, mais on est là depuis 2 jours, calme-toi, des lance-roquettes. Faut attendre un peu, certainement. Le ? Non, non, regardez pas, monsieur, c'est des faux dossiers qu'ils ont fait. Non, 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 ils ont mis ma photo, j'ai rien à voir avec ça. Non, je respecte l'autorité.
Qui a dit ça? Non, mais que l'autorité me respecte aussi. Voilà. Voilà. Sinon, je lui nique sa mère. Regarde-moi bien. Est-ce que... Capitaine. Capitaine Flamme, si tu veux. Parce que... Non, mais tu commences à faire des bêtises, toi. Je te promets, il veut te taper. Respecte-nous, d'accord? Laisse-le. Capitaine. Mais tu dis n'importe quoi. Pourquoi tu nous parles déjà? Pourquoi tu parles? Nous bouffe ta merde, m'en fous de tes histoires. Sors dans la rue, c'est fini tes trucs. C'est la guerre, va les gens, il n'y a plus de travail, va en Grèce. Tous les crevards, il n'y a pas à manger. Fous le camp, c'est pour ça on est dans l'armée. C'est pour être armé, c'est tout. Le temps du Téléthon, c'est fini, réveille-toi. Le bien-être des handicapés. Non, mais je respecte, moi, les handicapés. Oui, mais en temps de guerre. Il n'y a pas d'accès handicapé dans les tranchées, réveille-toi. Il y aura trop de crevards dans les villes. Il y aura trop de gens, il n'y a pas à manger. Il faudra ouvrir les stades. Tu mets la nourriture au milieu. Tous les crevards, ils vont sentir. Il y a à manger. Tu fermes les portes, tir croisé à la 12-7, tu nettoies. Il y aura... Quoi? Réformé. Comment ça? Moi? Je vais tuer des gens, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai été écarté du projet. Et donc... Il faut rigoler, putain. Moi, je remonte le moral à tout le monde en ce moment. Putain. Non, c'est vrai, hein, là, je vois avec mon pote Jean-Christophe, un ancien écologiste en pleine dépression nerveuse. Mais il était sur la campagne d'Eva Joly aussi. Hein. La moitié de l'équipe s'est pendue. Et... Non, et il vient chez moi, il dit, les Verts, c'est tous des cons. Je lui dis, calme-toi, Jean-Christophe, qu'est-ce qui se passe? Tu dis ça sur le coup de la défaite. Hein, tu vas pas remettre en cause 30 ans de militantisme, comme ça, d'un revers de la manche. Je te rappelle que toi, t'as passé combien? C'est 5 ans chez Greenpeace? À te geler les couilles sur un Zodiac pour sauver 3 pauvres baleines? Il me dit, ça sera à refaire, je les buterai au lance-roquettes. Merde! J'ai dit, ouais, t'es remonté, effectivement, là. Prends du recul. Il me dit, j'ai pas de recul à prendre, Dieudo. Pour moi, les Verts, c'est terminé. Je monte mon parti, ça va s'appeler les Gris. Tu veux en faire partie? Oh, je lui dis, gris comme quoi? Il me dit, gris. Gris comme le béton, gris comme la pollution, gris comme le moisi, ça te va? Je lui dis, faut que je réfléchisse. Ah, mais t'es marrant, t'arrives ici, tu gueules. Déjà, calme-toi. Hein, tu sais, en plus que j'ai une femme qui est à moitié écolo, tu la connais. Hein, elle a la main verte avec ses deux cactus, qu'est-ce que j'y fasse? Oui, mais on pose, on compte. Puis j'ai un perroquet qui répète tout. Baisse d'un ton, s'il te plaît. Ah, voilà. Ouais, Coco, ouais. Ouais, je suis ananas. Je lui dis quand même, l'écologie, il y a quand même des bons côtés. Je veux dire, préserver la planète pour les générations futures. Il me dit, quoi, Dieu? T'es encore dans ce délire à la con, hein? Tu veux sauver la planète? L'autre, elle a 4000 milliards d'années, la planète. Nous, on est là depuis avant-hier et on va lui sauver la vie? Avec un tri sélectif et 3 éoliennes? T'as pas compris qu'on se fout de ta gueule? La nature nous a déclaré la guerre. Voilà la vérité, Dieu d'eau. Regarde tous les tsunamis, les tremblements de terre. Hein, ce temps pourri qu'on a eu au mois de juillet. La nature veut notre peau. Regarde toutes les bactéries, toutes les maladies nouvelles. Tout le monde a la chiasse, tout le monde chie de la flotte aujourd'hui. Aïe, hein? Ah non, il est possédé. Il dit que la nature nous en veut. Hein. Il dit que la nature nous observe. Il a coupé tous les arbres autour de chez lui. Hein? Ils sont une soixantaine, ils ont monté un parti, ils ont un programme de désécologie. Comment niquer la planète en 2 ans? Première mesure concrète, le tout nucléaire. Le nucléaire portatif individuel. Stylo nucléaire, savon nucléaire, chocolat nucléaire. Alors, mais c'est plein de petites mesures au quotidien, je veux dire, c'est une organisation militaire. Quand tu l'entends, par exemple, tes piles usagées, tu sais jamais quoi en faire. Tu les plantes dans la terre. Laissez couler l'eau du robinet! L'électricité à fond, nique tout le plus vite possible!
Tes vidanges de bagnole, jamais dans un garage, putain! Participe, ça te coûte quoi? Tu le fais dans la nature, dans un parc, dans un jardin, chez ton voisin. Tes ordures ménagères, jamais dans une poubelle. Par la fenêtre! À quoi ça sert une fenêtre? C'est bien pour jeter des objets. Sinon, on aurait laissé un mur. Voilà, il y a une logique, faut essayer de comprendre. Tu te fais chier le dimanche, fais cramer du pneu, putain! C'est avec toutes ces petites mesures au quotidien qu'on va niquer la planète. Agissons vite, Dieudo, tant qu'il en est encore temps. Bonsoir et bienvenue au 63e championnat de la victimisation. Une compétition victimaire qui regroupe cette année les 4 plus grandes équipes à du monde. Avec un total de 75 millions de personnes génocidées sur le plateau. Hein, un chiffre extraordinaire pour 4 tragédies exceptionnelles. Pour cette 63e édition, 4 continents seront représentés. Tout d'abord l'Amérique avec l'équipe des Amérindiens. Les Indiens d'Amérique, tour à tour exterminés par les conquistadors portugais, espagnols, anglais, français, hollandais, j'en passe. On avance en coulisses aujourd'hui le chiffre officiel de 40 millions de personnes génocidées. Un chiffre très important qui pourrait permettre à cette équipe des Indiens de créer la surprise. Les Indiens qui n'ont encore jamais gagné de médaille, les Indiens, hein, et qui espèrent bien cette année avoir l'argument, hein, pour faire pleurer le jury. Alors, aux côtés des Indiens, le continent africain. 10 millions de personnes déportées, 7 millions de personnes exterminées, 4 siècles d'humiliation. Je vois qu'on s'éclate en régie là-haut. C'est aussi la bonne humeur. Alors ouais, 4 siècles d'humiliation, donc avec la traite négrière transatlantique. Là, c'est une période très importante qui pourrait permettre aussi à cette équipe de marquer quelques points. Hein, en tout cas, on y croit chez les Blacks. Hein, yo, brother. À chipper, à choper. Alors, l'Australie sera représentée par une petite délégation aborigène. Cette civilisation de près de 100 000 ans. On l'entend à la musique, hein, de toute façon, c'est au moins un million d'années, moi je dirais. C'est pas les années 70, comme on dit. Alors, cette civilisation qui a entièrement disparu en seulement 300 ans, avec l'arrivée de la reine d'Angleterre. Le courant n'est pas passé hein, entre les aborigènes et la pute, comme ils l'appellent, la sale pute. Alors évidemment, les aborigènes n'avaient pas de registre pour valider leur nombre de génocidés. Hein, tout cela s'est fait un peu à la confiance. Ah, bon, ils sont là en tout cas pour une première participation. Je vous rappelle que le vainqueur empochera la somme d'€1 600 000 prélevée dans les nations du monde au nom de la souffrance de lumière. Nous terminons avec le grand favori de cette compétition. Vous l'attendez tous, Israël! Champion du monde en 62 participations, véritable razzia de médailles dans toutes les catégories, toutes les disciplines, avec l'infatigable Shoah, bien évidemment. La Shoah, grande favorite encore ce soir. Hein, la Shoah, je vous le rappelle, c'est 1 milliard de gains par an, hein, presque autant en couverture de journaux, hein, des films long métrages, des briquets, des stylos. Alors, je vais demander évidemment à l'entraîneur de la Shoah de nous rejoindre.
Ai-je besoin de le présenter, monsieur Elie Wiesel, évidemment, prix Nobel de la paix, prix Nobel de l'agriculture, hein, prix Nobel de la mécanique de précision. Alors, moi, prix Nobel de tout. Voilà, pardon, excusez-moi, je suis un peu ému. Alors, monsieur le prix Nobel de l'univers, une seule question. La Shoah peut-elle être battue ce soir? il est marrant, il est bien. Tiens, prends un petit peu de fric. Alors, non, la Shoah est en très grande forme, sachez-le, je la quitte, elle était à l'entraînement ce matin, ça chiale de loin. Vous savez, la Shoah est et restera la souffrance de référence dans les sports de la pleurniche. Pourquoi? Parce qu'elle est unique, tant sur son fond que sur sa forme, que sur sa capitalisation. Tout à fait. Tout le monde est vraiment enchanté, je crois que... Merci. Alors, si vous le permettez, je vais me faire l'avocat du diable. Pardon. Non. C'est juste la question voilà, qu'on a vue en répétition. Voilà, pardon, je me suis mal exprimé, voilà. 63 ans de règne sans partage. Vous ne craignez pas qu'il y ait une certaine lassitude dans une opinion publique qui s'interroge aujourd'hui? Les Indiens arrivent avec ce chiffre quand même de 40 millions de personnes exterminées. Je veux dire, là, vous n'en êtes qu'à 6 millions. Ah non, en faisant les fonds de tiroir. Attention quand même, voilà. Alors, cette compétition n'est pas seulement une affaire de chiffres, vous le savez bien. Voilà, il y a aussi des méthodes employées, voilà. Mais laissons de grâce aux juges le soin de juger. Hein. Et ils le feront, je sais, hein, en toute indépendance. Alors, sur cette histoire des Indiens, non, je ne crois pas. 40 millions, tout le monde en coulisses, effectivement. Non. Je ne crois pas personnellement qu'il faut qu'ils travaillent, les Indiens, comme tout le monde. Tu sais, on n'est pas arrivé comme ça, nous. Hein. Ils n'ont pas encore cette puissance de souffrance, je pense. À la fois culpabilisante, hein. Je te la fous dans ton cul, toi, et tout en restant romanesque. Tout à fait. Seigneur. Astre divin, lumière des galaxies. Comment expliquer le fait que vous soyez également... Alors là, j'ai ça sur ma fiche. Dites-moi si c'est une bonne information. Vous seriez également le représentant de la souffrance aborigène. Et là, on ne comprend pas. Vous n'êtes pas vous-même aborigène. Enfin, à moins... Alors, vous allez peut-être nous expliquer. Est-ce qu'il n'y a pas un problème déontologique d'être à la fois représentant d'une souffre? J'ai accepté, c'est vrai, d'apporter mon expérience dans la gestion du devoir de mémoire à cette toute jeune équipe aborigène. Vous savez qu'ils ne sont plus que 13, les aborigènes, et tous fortement alcoolisés. Donc, ils sont venus me voir, vous savez, dans mon bureau, ils avaient un petit dossier, il y avait deux feuilles. Ils sont venus me voir, Élie, est-ce qu'il y a moyen de gratter une bière avec ça? Bon, alors... Il n'avait même pas de compte en banque. Quand même le béaba. Lorsque l'on gère la souffrance, lorsque l'on gère la mort de sa grand-mère. Alors, sur la problématique déontologique, évidemment, je me suis interrogé. Comme vous l'avez fait, d'ailleurs, de manière assez juste. Hein, je me suis dit, Élie, es-tu aborigène? Et la réponse s'est imposée d'elle-même. Oui, je suis aborigène. En tant que juif déporté dans les camps nazis, mort dans les chambres à gaz. Oui, mon nom est inscrit sur le registre. Ouais. Je suis officiellement mort, tout à fait. Je touche une retraite, d'ailleurs, pour ça. Merci, astre divin, merci. Homme de raison, merci, Dieu, si vous le permettez. Alors,
Alors, je vais accueillir très vite, parce que le temps presse, évidemment, et tout le monde voudrait s'exprimer. Peut-être le représentant des Indiens, s'il est là. Voilà, Monsieur Morales de Bolivie, s'il vous plaît. Alors, Morales, Bolivie, avez-vous un rapport avec le président Morales? On a dû vous le demander. Aucun. Voilà, au moins les choses sont dites. Je vous en prie. En espagnol, bien sûr. Si, hablo español. La compétition de la victimisation est à la mierda d'Israël. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, non. Ben, c'est pas le texte qu'on vous a donné ce matin, ça. Los indianos, ils sont combattants. Par la révolution de Simón Bolívar, viva la Palestine! Non, 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 viva rien du tout, là, c'est pas... Viva la sécurité, là! Voilà, merci! Les aléas du direct, hein, évidemment, avec cette élimination. Alors, on va passer à la souffrance noire. Alors là, grand débat autour de cette souffrance noire. Qui des Antillais, qui des Africains est habilité à parler au nom de cette souffrance? Pour vous, monsieur Mfoudi, cela ne fait aucun doute, c'est aux Africains d'en parler, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est ce machin-là d'Afrique? Marcanin, hein, il a dit que... Hein, à quoi ben on doit? J'ai dit que non. Vos affaires d'Africains comme ça, dans, non. Ça, ce sont les affaires des Blancs. Qui sont ces gens qui ont été déportés dans ces bétaillères-là de M. Rothschild? 30% allaient même mourir dans l'océan. Qui sont ces gens-là? Allez demander, tu es un entier? Non, je ne suis pas un entier. Est-ce que tu veux même aller aux Antilles? Jamais je vais aller aux Antilles. Vos machines d'Africains d'entier, non, ça c'est la connerie des Blancs. Oh, tu tombes, je trouve un petit peu chaud là, la connerie des Blancs. En tout cas, ça n'est pas le point de vue de M. Blanchette de Fort-de-France. Effectivement. Et nous n'avons rien à voir avec les Africains. Mais nous n'avons rien. Moi, je suis en très bon terme avec les Béquets, il n'y a pas de problème. Moi, je m'appelle Blanchette. Ma famille remonte à Louis XIV. Nous étions perruquiers du roi. Rien à voir avec ces histoires de mangeurs d'hommes africains. Alors, non, nous respectons l'Africain. Nous le respectons. Mais il est différent de nous. Ses bras sont plus longs, ça touche le sol. Il n'a pas... Voilà, moi, je vois... Non, non, moi, je remonte à Louis XIV. Par mon père et à Clovis, roi de Gaulle, par ma mère, hein, qui s'appelait Claudine. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Moi, non, l'Africain n'a pas de couverture sociale. Demandez-lui le salaire moyen de l'Africain. Je me bouche les oreilles. Hein. Voilà. Non. Nous sommes Français. Voilà. Nous voulons garder le RSA. Vous êtes français et vous voulez garder le RSA, c'est tout à fait logique. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, l'histoire vous le doit bien d'ailleurs, monsieur Blanchette, hein, c'est assez bien négocié pour la France. Alors moi, monsieur Mfoudi, le dialogue est-il seulement encore possible? Est-ce que je peux même parler encore avec les gens comme ça? Mais mon ami, les Blancs t'ont tapé sur la tête, tu vois. Mais toi, tu es un Africain. Regarde ton gros nez d'Africain comme ça. C'est le nez de Louis XIV. Non, ne rentrons pas là-dedans. Calmez-vous. Non, calmez-vous, ne rentrez pas, ne répondez pas. Remonte dans ton arbre, va manger tes enfants. Nous calmer déjà.
Nutia glacée, Nutia vanille. Alors, face à cette incommunicabilité structurelle, les organisateurs de cette immense manifestation ont décidé tout naturellement bien de vous confier encore une fois à vous, monsieur Wiesel, le soin de représenter cette souffrance noire. Tout à fait. Dans cette cacophonie indigne, j'ai accepté de porter ce flambeau de la souffrance noire. À la demande de monsieur Obama, précisez-le quand même, qui m'a laissé à moi et monsieur Spielberg la responsabilité de raconter l'histoire officielle de cette souffrance noire. La souffrance noire est une affaire compliquée. Je comprends pas. Qui fait quoi? Qui empoche surtout? Alors, tout commence avec ce nombre de personnes déportées. D'ailleurs, le mot déportation n'est pas, selon moi, approprié. Alors, des personnes déplacées. Alors, on parle au départ de 15 millions. Oh, d'accord. Alors, nous sommes bien. Voilà, pourquoi pas 15 milliards? Puis 10 millions, puis 5 millions. Enfin, le chiffre le plus raisonnable étant, selon moi, autour de 24 personnes. Oui. Et déportées, déplacées. Pas toujours contre leur gré. Vous savez, des gens à la recherche d'un emploi, souvent, comme c'est le cas encore aujourd'hui, et de conditions sanitaires plus favorables. Alors, j'ai accepté en tant qu'avocat la gestion de ce dossier sur un phénomène qui m'apparaît effectivement récurrent. Le retard dans le paiement de certains salaires. Oui, les esclaves n'ont pas perçu l'intégralité de leur solde de tout compte. Alors, à ce titre, nous sommes fondés à demander réparation, ce que je ferai devant les tribunaux. Nous demanderons réparation donc au premier responsable, bien sûr, l'Église chrétienne dans son ensemble, l'islam, comme ça, et l'Allemagne, bien sûr, qui reste responsable de tout pour l'éternité et dans l'univers tout entier. Alors, eux, l'Allemagne... L'autre jour, j'ai un pote, Bernard, qui vient chez moi, pareil. Il fait un bout de temps que je n'avais pas vu. Il a dit, ouais, Dieu, donc. Alors, il voulait me parler absolument depuis 15 jours. Puis il n'arrivait pas, quand il arrivait. Alors, je lui dis, bah, vas-y. Alors, il me dit, ouais, mais c'est pas évident. Bon, déjà, il me dit, est-ce que tu crois dans l'existence des extraterrestres? Je lui dis, il n'est pas venu me parler de l'extraterrestre, c'est que cette histoire. Je lui dis, sérieux, là? Il était sérieux, quoi. Alors, je lui dis, bah, je sais pas. C'est obligatoire ou pas? Je ne voudrais pas nier l'existence des extraterrestres s'il y a une loi, attention. Mais il me dit, mais non, il m'a dit, ça n'a rien à voir avec les chambres à gaz, tout ça. Il m'a dit, là, c'est sûr, on a des preuves. Et... Ah non, j'ai gueulé, j'ai gueulé. Ah, j'ai dit, arrête, lâche-moi, Oh, j'ai dit, tu m'emmerdes, j'ai pas de problème, j'ai trop d'emmerdement en ce moment. C'est pour dire des conneries, tu vas chez toi. Puis tes histoires d'extraterrestres, à quoi ça sert? Franchement, je les trouve pas très motivés, tes mecs. Faire des apparitions dans la nuit, là, sur deux photos à la con, des sculptures dans les champs de maïs, c'est ça qu'ils sont venus faire? S'ils veulent nous voir, ils savent où on est, l'extraterrestre, non? Ils passent un coup de téléphone, la chambre de commerce, ou ça? Bon. Non, mais ce que je veux dire... Alors, évidemment, il se marre. Il me dit, bon, Dieudo, t'as terminé de faire le comique? Alors, ouvre bien grande tes oreilles. J'ai été kidnappé par les extraterrestres. Là, il faut tenir le regard. Ah, j'arrivais plus. Je me suis dit, il a décollé, j'arrivais plus à le regarder. Je dis, merde. 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 Toi, disparu. Comme Raël, je lui dis. Il me dit, non. Il me dit, moi, c'est la réalité. C'est pas pour baiser des gonzesses. Moi, ça m'est vraiment... Mais droit dans ses bottes, le gars. Ça m'est arrivé en 2007, chez ma belle-mère, à Villejuif. Alors j'ai dit, voilà, j'ai dit, si c'est une histoire antisémite, oublie-moi. Il m'a dit, non, il m'a dit, je suis pas humoriste, je te laisse ça, non. Donc il me dit, on était dans le jardin, on discutait. Enfin disons, c'est plutôt ma belle-mère qui me parlait, d'ailleurs. Et j'entends un bruit, je lève la tête, une soucoupe volante. Et donc ta belle-mère, elle l'a vu.
Et là, elle me dit non, juste avant. C'est ça qui est bizarre, elle me dit. Elle continue à me parler, malgré le bruit assourdissant. Il m'a dit, ça tremblait de partout. Ah, juste, c'était peut-être un diesel. Là, ça l'a pas fait marrer. Il m'a dit, si c'est pour se foutre de ma gueule, je m'en vais. Je lui ai dit, calme-toi, mais comprends que c'est pas évident. Mais il me dit, c'était pas un diesel, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, soucoupe volante. Donc, automatiquement, c'était du sans-plomb. Et alors, là, il me dit, il y a un tube lumineux qui est tombé sur moi, de couleur bleue. J'ai été aspiré dans ma soucoupe volante. Merde! Et ta belle-mère? Continue à parler! Je la voyais derrière le tube, il me dit. Je dis, oh, je monte, tu fais quoi, toi? Et je lui dis, mais t'as vu l'extraterrestre? Il me dit, bien sûr. J'ai été accueilli dans un sas, dans la soucoupe, par l'extraterrestre, en personne. Un genre de masse gélatineuse, comme ça. Comme ça, qui était Elle sustentait. Alors, il me dit, tout à coup, elle s'est approchée de moi. Je sustente plus. Alors là, il me dit, il y a un tentacule qui est sorti de la masse gélatineuse, qui est venu se coller sur mon œil. Il dit, c'était comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le tentacule était en réalité une fibre optique pour communiquer. Anglais, français. Alors mon pote, tout de suite, hein, français. Il a dit anglais, ça va nous amener un peu tard. French, only, cocher la case. Bon, là, l'extraterrestre s'est présenté à lui de manière parfaitement distincte. Bonsoir. Je m'appelle Bertrand. Je viens de Jupiton. Et là, mon pote, il a pris peur. C'est la CAF ? Caisse d'allocation familiale. Non, parce qu'il est emmerdé. Il est dans des emmerdements avec la CAF. Il a déclaré des gosses qui ne sont pas à lui. Et voilà, il jonglait depuis 2 ans. Bon, il avait touché un peu des deux côtés. Il avait la CAF au cul. Il s'est dit, c'est bon, ils m'ont retrouvé, c'est la CAF. Alors l'extraterrestre lui dit, je suis pas de la CAF, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ces conneries de CAF? Concentre-toi, c'est quoi ces conneries là? Sur Jupiton, il n'y a pas de CAF, donc les dossiers ne sont pas transmis, calme-toi. Donc là, mon pote s'est calmé, il a dit, bon, qu'est-ce il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, l'extraterrestre lui dit, calme-toi, tu n'as rien fait. Il se trouve que tu es l'élu pour le secteur est parisien. Gris Orangis, Créteil, Papette. Papette, il a dit, t'occupes pas de ça. Regarde, suis mon tentacule, tu le vois? Il est plus là. Regarde. Écoute, voilà, non, non, t'as rien, écoute-moi. Bon. Écoute-moi. Bon. Ta mission est de prévenir tous les terriens de l'arrivée imminente des extraterrestres. 1er avril 2013. Alors mon pote tout de suite, voilà, 1er avril, il a dit c'est une blague. L'extraterrestre, il a dit non. Il a dit, tu me casses les couilles. Il s'est énervé. Tu me casses la couille d'ailleurs. Ouais, non, sur Jupiton, ils n'ont qu'un testicule. Pour ça, ils sont très sensibles. Ah, il s'est énervé, il a dit, il me reste 5 galaxies derrière. Si c'est pour me faire à chaque fois des connards de l'histoire de CAF et machin, il dit à un moment donné, je m'en vais. Il était énervé. Hein. Mon pote a dit, excusez-moi, mais bon, alors là, qu'est-ce que je dois faire? Il a écouté. Il a dit, tu dois faire, toi personnellement, le prélèvement d'un impôt de 54 euros par terrien, qui correspond aux 54 décades de l'univers en expansion. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, il me pose pas la question, j'ai arrêté en troisième. Donc, tout ce qui est triangle isocèle, il m'a dit, je sais pas de quoi on parle. Alors, je lui dis, mais comment tu vas faire? Ils t'ont filé une soucoupe, un défraiement, quelque chose? Et là, il m'a dit, oui, Dieudo. Ils m'ont donné 6 sestrels, qui est la monnaie en vigueur sur Jupiton. Et là, il m'a sorti les sestrels. Il les a posés comme ça. Ah, je lui dis, on dirait des cailloux, tes trucs, c'est quoi ça? Il m'a dit, oui, ça ressemble à des cailloux, mais ça vient de Jupiton. Donc, automatiquement, ça n'a rien à voir. Alors,
Et je lui dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors il m'a dit, écoute, Giono, si je suis venu te voir et te parler de cette histoire, évidemment, c'est top secret. Il m'a dit, je voudrais que tu me rendes un service. Est-ce que tu peux faire le change à ta banque? Non, non, parce qu'il a interdit bancaire, avec ses problèmes de CAF. Donc, alors moi, je lui ai dit, je vais voir ce que je peux faire, hein, mais bon, tu me préviens, en plus. J'explique qu'en plus, en ce moment, j'ai des problèmes avec les impôts. Si je les paye ancestrales, je sais pas comment ça va se passer. Mais j'ai dit, mais c'est quoi le taux de change? Et là, il me dit, 500 euros l'ancestral. Ils emmerdaient pas sur Jupiton. Ouais. Ma femme a dit, te rentre pas là-dedans et tout ça, mais bon... Tu sais, c'est un pote de 20 ans, c'est pas facile, hein, donc j'ai accepté. Bon. Ça fait 3000 euros, bon. Je me suis dit, ça peut être un placement aussi, t'es marrant, avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'on dira des cailloux, je suis d'accord aussi, hein, c'est vrai que... Non, c'est vrai, sûr, on dirait vraiment un caillou. Hein. Non, ça se trouve, je me suis fait baiser. Hein. En même temps, tu me diras, l'euro, c'est du papier. Hein. Ça se trouve, on s'est fait baiser aussi. Hein.